Bonjour. On va passer le bien. Je vais passer le bien. Tu seras pas chier comme je dis. Du coup, est-ce que tout le monde... Oui, ça, vous m'entendez bien, je pense. Donc, merci d'être présent. Donc, c'est la dernière conférence qui va porter sur les chauves-souris. Et donc, on a l'honneur d'accueillir Julie Auclair, chargée d'études sur le chiroptérologue, du coup, au bureau d'études Écosphère. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu, déjà, dans un premier temps. Je vais tricher un peu, sachant que la plupart des gens ici viennent pour les zones humides, hein, de ce que j'ai compris. Moi, je vais simplement utiliser donc, les zones humides comme tremplin pour vous parler des chauves-souris. D'abord, on va dire les chauves-souris dans leur ensemble, et on fera un petit zoom sur tout ce qui est chauves-souris de par chez nous. Ça sera plus local. Donc, comme je vous le disais, le fameux tremplin. Donc pour ceux qui n'étaient potentiellement pas là ce matin ou endormis, qui sait que sais-je, voilà donc la définition donc d'une zone humide selon le code de l'environnement. Donc ce sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saunâtre de façon permanente ou temporaire, dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Donc bon, c'est très, on s'endort. En gros, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est les trois caractéristiques que j'ai mis sur la droite. Et donc, toutes ces caractéristiques, notamment la flore, attirent souvent beaucoup d'insectes. Et donc, qui dit insectes, dit forcément prédateurs, souvent. Et donc, qui sont les prédateurs des insectes, en tout cas ceux que je connais bien, je vous le donne en mille, évidemment, les chauves-souris. Donc, voilà mon tremplin. Alors, donc, on va commencer, comme je vous le disais, par une vision globale de la morphologie d'une chauve-souris. Ensuite, on enchaînera sur les chauves-souris du monde, donc différents régimes alimentaires, différentes têtes aussi également. Le rôle de la chauve-souris dans la nature, on verra, c'est plutôt utile comme petite bestiole, grande bestiole, ça dépend des pays. La chauve-souris, donc les chauves-souris de France, donc ce qu'on a nous dans notre beau pays, et les différentes caractéristiques, les différents moyens d'études, donc notamment ce que je peux moi utiliser dans certains cas dans le domaine de mon métier, donc chargé d'études naturaliste, les symboles et les mythes, légendes urbaines, tout le monde connaît à peu près 2-3 trucs sur les chauves-souris, ne serait-ce que pour Halloween, en général ça fait partie des symboles classiques, avec le fantôme et les araignées, ou alors la fameuse légende de il ne faut pas sortir dehors, sinon les chauves-souris s'attachent dans les cheveux, j'imagine que peut-être que quelqu'un a déjà entendu ça dans sa vie, une fois. Et donc, ce qui nous amènera ensuite, pour conclure, sur une intégration assez compliquée. Comme vous le savez sans doute, c'est un animal qui reste assez stigmatisé. Un peu comme les araignées, finalement. C'est assez mal connu. Et en général, voilà, c'est associé à pas mal de trucs qui sont plutôt négatifs. Donc, on commence, comme je vous le disais, avec la morphologie de la chauve-souris. Donc vous voyez que c'est quand même assez différent de l'oiseau au niveau de l'ossature. L'ossature de la chauve-souris, pour le bras en tout cas, est quand même beaucoup plus proche de celle de l'homme. Donc vous avez un schéma avec plusieurs détails. Alors attendez, je mets le pointeur laser, la technologie. Donc en gros, vous voyez que la chauve-souris, contrairement aux oiseaux, la portance du vol n'est pas assurée donc, par les plumes, mais plutôt par une peau qui relie donc, les pattes, les doigts et la queue. Qui s'appelle le patagium. Et donc, c'est une peau extrêmement fine qui est parcourue par des vaisseaux sanguins, très difficile à cicatriser, étant donné qu'elle est extrêmement fine. Donc, si une chauve-souris se fait percer le patagium, malheureusement, c'est souvent fini pour elle. Ça dépend de la taille du trou, mais en général, c'est assez compliqué. Après, pour ce qui est du reste, on voit qu'effectivement, les chauves-souris sont souvent avec des oreilles assez développées, dues donc à leur système de déplacement qui est donc l'écholocation, localisation. Certains le savent sans doute, mais les chauves-souris utilisent un peu à la manière des sonars des dauphins par exemple, donc leur cri, elles crient donc dans les ultrasons pour pouvoir se déplacer et grâce au ricochet des sons,
elles peuvent avoir une carte, ça leur donne une carte, en fait, une sorte de carte 3D de leur environnement très détaillée en fonction de la densité des cris, ce qui leur permet de se déplacer dans le noir, donc que ce soit dans un sous-bois la nuit ou même dans une grotte complètement plongée dans le noir, que ce soit le jour ou la nuit. Donc comme je vous le disais, les chauves-souris ont toutes des têtes assez atypiques. Donc voici un dessin d'une ancienne encyclopédie du muséum de Paris. Donc vous voyez qu'elles ont quand même des sacrées têtes pour la plupart. On se croirait dans un cours de botanique, surtout pour celles du milieu. Mais on voit que globalement, les différents points qui sont évolués chez elles au niveau de son visage, c'est souvent les oreilles, comme je vous le disais, et son nez. Puisqu'en fait, ça dépend de certaines espèces, mais les chauves-souris ne crient pas toutes via... Enfin, elles peuvent crier, elles crient avec leur bouche, mais elles ne reçoivent pas le son forcément avec les oreilles. C'est le cas notamment des rhinolophes qui, eux, utilisent leur nez en forme de fer à cheval. Alors, il n'y en a pas vraiment ici, mais en gros, elles ont un nez un peu de cochon, si vous voulez, qui sert d'antenne et qui permet de recevoir les cris et de les traiter autrement qu'avec les oreilles. Donc, c'est assez spécial. Donc les chauves-souris, oui, peu importe leur pays, leur répartition, ça reste quand même le seul mammifère volant, c'est important de le noter. Il est donc aussi bien diurne que nocturne. Ici en France, on a exclusivement du nocturne, mais vous connaissez sans doute des grandes espèces qu'on voit, parce qu'elles sont très impressionnantes, notamment je pense au groupe des roussettes qui volent, qui sont très grandes, etc., dans les îles. Elles sont diurnes, donc elles ne se nourrissent pas de la même façon, etc., mais leur comportement est diurne, ouais, pas nocturne. Donc oui, effectivement, le régime alimentaire est assez varié, ça va du fruit à l'insecte, parfois même à la viande et au sang, comme avec l'espèce des vampires, qui oui existe du coup, désolé. Donc certaines hibernent, d'autres non. Nos chauves-souris ici en France, elles hibernent, mais par exemple les grandes roussettes dont je vous parlais tout à l'heure, elles n'ont pas besoin d'hiberner au vu des climats d'où elles viennent. En termes d'échelle, j'ai fait vraiment le bas et le haut de l'échelle en commençant par le haut. Donc vous avez la chauve-souris qui est considérée comme la plus grande du monde, la roussette géante des Philippines. En envergure, donc les ailes ouvertes, elle fait plus de 1,50 m, c'est une moyenne basse en général. Sachant que la photo effectivement est un peu biaisée au niveau de l'échelle par rapport au monsieur qui est à côté, la chauve-souris est quand même plus proche de la caméra que le monsieur. Et voilà, ça, j'entends des soupirs de satisfaction pour des gens rassurés. Et donc à l'inverse, vous avez la chauve-souris bourdon qui est la plus petite du monde. Et vous voyez, donc elle fait la taille de seulement quelques phalanges. Et donc elle, on la retrouve en colonie, notamment dans les grottes de Thaïlande. C'est celle que vous pouvez voir souvent dans des reportages. Donc c'est des grandes grottes extrêmement hautes de plafond. Et vous avez des essaims de plusieurs milliers d'individus, plusieurs centaines de milliers d'individus. C'est souvent les chauves-souris bourdon qui sont prises dans ces reportages puisque leurs colonies sont très impressionnantes. Donc voilà, après un petit dessin d'encyclopédie, quelques photos de la diversité au niveau de la colorimétrie et autres caractéristiques morphologiques des chauves-souris. Donc vous voyez ici donc, la chauve-souris hondurane. Oui, on voit bien les couleurs, parfait. Donc vous voyez, on dirait presque un Pokémon, hein, pelage blanc et le reste en jaune, ce qui est plutôt mignon. Vous avez ici donc une espèce, un oreillard qu'on a nous en France notamment, donc avec des oreilles développées, le reste est plutôt typique de ce qu'on attend quand on parle d'une chauve-souris. Le fameux groupe des roussettes dont je vous parlais, donc en général des grandes chauves-souris, même s'il en existe évidemment des plus petites que les roussettes géantes, Dieu merci. Une espèce qu'on a nous ici, donc la barbastelle d'Europe, qui est ici, vous voyez que, j'espère que vous voyez bien, les oreilles sont collées littéralement aux yeux, donc on voit que encore une fois les oreilles sont bien développées. Alors ça c'est une chauve-souris d'Amazonie également, qui est réputé pour avoir un faciès, voilà, bon, c'est difficile de se dire que c'est joli, enfin, quoique pour les amoureux de la nature, qui sait. Mais encore une fois, tout changement morphologique a forcément une raison dans l'évolution de la nature. Et en gros, ces rides sont dues au fait que cette chauve-souris est frugivore, et enfin, effectivement elle est très petite, elle se nourrit souvent de mangue ou de fruits à jus comme ça. Et donc quand elle croque, vu que la mangue fait presque deux fois sa taille, le jus donc, lui éclabousse le visage. Et en fait, ces petits rides, ça sert de gouttière pour catalyser le jus, et tout vient directement ensuite dans sa bouche. Vous voyez comme quoi c'est plutôt bien fait, la nature. Le fameux vampire d'Azara, que beaucoup connaissent ici. Oui, effectivement, il boit du sang, il n'est présent uniquement qu'en Amazonie. Et on en reparlera plus tard dans les mythes et légendes, si vous le permettez.
et une autre chauve-souris colorée qui s'appelle la chauve-souris peinte, et qui vient du coup de sa couleur orangée assez atypique, un peu comme les chauves-souris en Durane, qui est aussi très jolie. Donc au-delà des différentes caractéristiques morphologiques, comme je vous disais, il y a plusieurs régimes alimentaires, avec certaines chauves-souris qui font plus la fine bouche que d'autres. Voilà, alors celle-là, en l'occurrence, elle ne fait pas trop la fine bouche, parce que c'est la chauve-souris fer de lance. Elle, en gros, quand elle a faim, elle trouve quelque chose, elle prend, donc ça peut être du poisson, de la grenouille, des insectes, etc. etc. Donc elle a un régime assez varié, en général. On a des chauves-souris qui sont donc nectarivores, donc qui ont malheureusement pas eu le droit à des magnifiques rides comme la chauve-souris qu'on a vu juste avant, mais par contre, pourvu d'une très longue langue, un peu dans le style des papillons, pour aller chercher donc, le nectar au fond des plantes, voilà, ils sont délectés. Les chauves-souris frugivores, donc la majorité, notamment, comme on le voit ici, des roussettes sont frugivores. Donc en fait, elles, au lieu d'avoir une longue langue ou des gros rides, à la place, elles ont des très gros yeux, enfin en tout cas des plus gros yeux que le reste de leurs copines, pour simplement, voilà, vu que c'est un animal qui est diurne, pour mieux repérer les fruits qui sont dans les pays où elles sont réparties, souvent assez colorées. Donc là, on a une chauve-souris du mexicaine, si je ne dis pas de bêtises, qui là, du coup, prédate un petit mammifère, carrément. Le retour de l'oreillard qui chasse donc un papillon de nuit pour tout ce qui est espèce insectivore. Et ici, une photo assez atypique d'une espèce donc de noctule qu'on a également aussi en France, qui, vous le voyez, est en train de manger un oiseau, en tout cas, ça en ressemble, la faim, en tout cas. Il faut savoir que cette photo est assez spéciale, puisque c'est une photo qui a été prise en captivité, puisque c'est un comportement qui est encore évalué comme extrêmement rare par l'espèce. On avait déjà retrouvé, notamment en forêt de Troncay, des plumes ou des restes d'oiseaux, de petits oiseaux, au pied de gîtes de nocules. Donc c'est une espèce qui gîte dans les arbres, dans les trous de pics, etc. Et donc en fait, cette photo a été prise suite à la capture en direct de la nocule en question. Elle était en captivité, mais elle a pu le capturer et le manger, donc ça prouve que c'est quelque chose qui peut se faire en cas de nécessité, on va dire. Alors, les chauves-souris, le rôle de la chauve-souris dans la nature. Comme vous pouvez le voir sur les différentes photos, la chauve-souris a plusieurs rôles différents. Dans un premier temps, celui qui est le moins connu, sans doute, c'est la pollinisation. Donc, comme je vous disais, certaines espèces sont nectarivores. Donc, à la manière un peu finalement des abeilles, pour l'exemple le plus connu. Donc elles vont mettre leurs truffes, ou là par exemple sur la photo carrément leur tête complète dans les plantes pour aller chercher le nectar au fond. Et c'est la même stratégie que pour les insectes pour ces plantes-là, c'est-à-dire qu'elles comptent notamment sur certaines chauves-souris pour que leur pelage soit imbibé de pollen, comme on voit sur la photo, et qu'elles se déplacent de fleur en fleur pour du coup permettre la reproduction de ces fleurs. On a ensuite donc la répartition des graines de fruits. Donc, comme vous avez pu le voir, une roussette qui se délecte d'un fruit, un peu à la manière des oiseaux, finalement, logiquement, quand on mange un fruit, ça finit bien par sortir quelque part. Et donc, les chauves-souris, quand elles font les roussettes font souvent des très longs vols, et donc leur déjection permet de répandre des graines dans des endroits qui sont, en général, qui peuvent être plutôt déserts. Et ça a été donc prouvé que les chauves-souris sont le répandeur de graines numéro 1, surtout dans certains pays, comme par exemple l'Australie, hein, simplement. Et donc, pour terminer, un insecticide naturel. On en parle souvent comme alternative aux pesticides, les oiseaux, etc., les chauves-souris, les coccinelles pour les pucerons, etc. Ça fonctionne, puisque notamment en France, on a des chauves-souris uniquement insectivores. C'est plutôt c'est même très efficace comme insectivore, puisqu'en moyenne, une chauve-souris, une seule petite chauve-souris, même une espèce très commune comme la pipistrelle commune, qui est vraiment une petite chauve-souris, peut manger plus de 300 moustiques par nuit, et encore, c'est vraiment un chiffre vu à la baisse. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous avez des chauves-souris chez vous en été, si vous voyez des petites chauves-souris qui traînent, n'hésitez pas à leur dire franchement, bon boulot. Donc, on enchaîne avec les chauves-souris qui sont vers chez nous, donc en France. Comme je vous le disais, on a uniquement des espèces insectivores, mais certaines espèces se sont spécialisées dans les milieux un peu humides, notamment les zones humides, puisque certains insectes sont soit à la surface de l'eau, soit ils peuvent tomber et se noyer à la surface de l'eau, et sont du coup spécialisés grâce à leur queue et leurs pattes arrière pour récupérer ces fameux insectes. Ça peut même aller jusqu'à la pêche de tout petits poissons, ou alors de larves aquatiques qui seraient juste sous la surface de l'eau.
Donc, vous voyez sur cette photo, donc c'est un murin de Capecchini qui est en train de récupérer, grâce à sa queue et ses pattes arrière, vous voyez, il commence à faire une sorte de panier, en fait, finalement. Donc, il récupère ses proies comme ça, et ensuite, il les mange directement en plein vol, et il recommence sa course. Et en général, ce sont effectivement des espèces qu'on retrouve proches des étangs, mares et autres zones humides. On a deux espèces qui sont comme ça en France, donc le murin de Daubenton et le murin de Capecchini. On peut classer les chauves-souris qu'on a chez nous, même celles du monde en général, mais on reste en France, en plusieurs types en fonction de leur stratégie de chasse. Donc vous avez dans un premier temps les chauves-souris de haut vol. Donc là, vous avez vu que la photo qui s'est ajoutée, donc c'est une nocule. Ce sont donc des grosses chauves-souris pour nous ici en France. Et donc leur stratégie de chasse, c'est plutôt de voler assez haut et d'aller récupérer les insectes qui sont vraiment dans la canopée, même au-dessus. Et en général, elles volent dans tous les cas elles chassent dans des lieux qui sont très ouverts. Donc tout ce qui est, ça peut être des champs, des friches, etc., clairières, grandes clairières, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une espèce de haut vol. Il y en a plusieurs, mais la nocule est la plus connue. C'est d'ailleurs le groupe d'espèces qui est le plus touché par les parcs éoliens notamment, et qui fait donc l'objet d'un bridage. Donc les facteurs qu'on donne aux promoteurs éoliens pour dire bah là votre éolienne elle va tourner et à partir d'un certain moment là elle tourne plus. Donc par exemple si le vent dépasse 4 mètres secondes et que la température dépasse les 15 degrés, votre éolienne, hop, elle ne tourne plus du tout pendant telle et telle heure de la nuit. Ça permet de protéger les chauves-souris. Et la nocule, en général, quand on en a qui sont touchés par les éoliennes, hop, ça fait monter le bridage assez haut très vite. Donc un peu la némésis des promoteurs éoliens, finalement. Et on a également donc, les espèces glaneuses qui ont une stratégie assez flémarde, finalement. Donc vous pouvez voir effectivement qu'une espèce glaneuse classique chez nous, c'est donc encore une fois l'oreillard, qui lui va pas trop se fouler. Quand il chasse, il reste dans son petit sous-bois, il se pose sur un tronc, sur du feuillage, etc. Et grâce à ses oreilles qui sont plus développées que ses petites pattes françaises, il peut en fait entendre des sons, vraiment des bruissements. Même un insecte qui mange une feuille ou quoi que ce soit, c'est possible pour lui de l'entendre. Et ensuite, enfin, c'est seulement une fois qu'il a repéré, grâce au son, une proie sans lui bouger, qu'il va se décider à s'envoler pour aller la récupérer directement sur la surface où la proie se trouve, et ensuite revenir à sa petite pause pour essayer de capter d'autres casse-croûtes qui pourraient traîner dans le coin. Il peut aussi également, comme vous l'avez pu le voir sur les photos précédentes, chasser classiquement donc en vol, mais voilà, c'est sa petite stratégie perso, donc, ce qu'on appelle donc une espèce glaneuse. Pour ce qui est du cycle annuel des chauves-souris, donc c'est plutôt découpé en quatre grandes parties, comme vous pouvez le voir ici. On va commencer par février, puisqu'on est en février. Donc en ce moment, nos petites amies poilues sont en train de dormir bien au chaud, bien souvent plutôt bien au froid, sous des ponts, caves, dans des arbres pour les espèces arboricoles, etc., etc. Soit solitaires, soit en colonie, ça dépend, et c'est effectivement la période où elles sont le plus vulnérables. Donc tout ce qui est dérangement, etc., ça peut être fatal pour elles, puisque pour arriver à cette hibernation, elles font des stocks en automne pour avoir de la graisse brune, ce qu'on appelle de la graisse brune, qui leur permet en fait de tenir le coup le temps de l'hiver. Et malheureusement, un réveil plus un envol panique, etc., parce qu'il y a quelqu'un qui vient la déranger, ça coûte ne serait-ce que 15 minutes, 10 minutes de vol le temps qu'elle se rendorme, ça coûte déjà plusieurs jours en graisse brune. Ce qui fait que si la bête se réveille avant la fin de l'hiver et qu'il n'y a pas de bestiole à manger, il fait trop froid, etc., elle mourra prématurément malheureusement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une période qui est très critique pour elle. Ensuite, vers la fin mars, on aura donc la sortie de l'hibernation pour la grande majorité des espèces. Et donc ça amènera à une période de transit de leur gîte hivernal à leur gîte estival, et notamment pour les femelles qui vont se regrouper en colonies, pour la grande majorité d'entre elles, pour mettre bas dans des coins à l'inverse de l'hibernation plutôt chauds, puisque les jeunes, comme souvent chez les mammifères, sont dépourvus de poils dans un premier temps, donc il faut qu'il y ait de la température adéquate pour éviter qu'ils décèdent. Pareil, effectivement, en fait, les chauves-souris sont fragiles tout le temps, hein, et que maintenant que j'y pense, pendant la période de mise bas,
un effet de panique suite à quelqu'un qui vient les déranger ou potentiellement un prédateur type chat, etc., peut être catastrophique pour les populations. Parce que déjà que les chauves-souris ont en général un petit par an quand elles ont un petit, plus c'est vraiment, il faut jouer au loto. La dynamique de population des chauves-souris en général, elle est plutôt en train de descendre que de monter, malheureusement. Et en fait, le moindre effet de panique dans une colonie, les petits peuvent très facilement tomber du ventre de leur mère où ils sont accrochés. Et malheureusement, si un petit tombe au sol et que même si le sol est, voilà, il est plutôt propre, il n'y a pas trop de crottes de guano autour, ce sera impossible pour la mère d'aller le récupérer et le petit, du coup, mourra prématurément, soit mangé, soit desséché, etc. Je vous en passe. Voilà, pour une note joyeuse. Mais sinon, en général, bon, ça se passe plutôt bien. Donc ensuite, il y a l'élevage des jeunes. Donc tout ce qui est la période été, c'est la période avec l'activité la plus forte, chez nous en France en tout cas. Et c'est là où, notamment pour nos protocoles dans les bureaux d'études, on utilise donc des enregistreurs qui vont enregistrer toute la nuit et en même temps des enregistreurs portatifs qui vont nous permettre de faire de l'écoute active, dite active, mais ça on en parle juste après. Pour avoir voilà, un bon brassage de qu'est-ce qu'il y a comme espèce sur un site donné, à quelle activité les chauves-souris passent, en fonction si c'est une haie, si c'est un boisement, une lisière, si c'est une zone de passage, si c'est une zone de chasse, etc. etc. Donc c'est vraiment la période vraiment cool pour l'étude, en l'occurrence. Et ensuite vient l'automne, où les petits ont appris à voler, à se nourrir, pour la plupart en tout cas, sinon bah, malheureusement ils connaîtront une fin funeste. C'est le retour d'une période de transit où les chauves-souris vont se déplacer progressivement vers leur gîte d'hibernation en passant par des gîtes de reproduction, souvent des grottes où il y a plusieurs centaines d'individus, voire plusieurs milliers qui se regroupent au même endroit, de différentes espèces. Et donc c'est ici qu'a lieu en gros tout ce qui est copulation, vous voyez un peu. Sachant que bon, les espèces... il n'y a pas eu d'étude prouvée qui dit que même si les espèces se mélangent dans les zones de ce qu'on appelle les zones de swarming, donc les zones où elles se retrouvent, il n'y a pas d'accouplement d'une espèce différente à l'autre. Ça reste quand même assez organisé à leur côté. Et ensuite, donc une fois que l'accouplement est fait, chacun part de son côté pour aller hiberner tranquillement. Les femelles stockent le sperme du mâle pendant l'hibernation, et c'est seulement une fois arrivé mars où elles se réveillent qu'elles vont utiliser le sperme stocké pour s'auto-féconder et pouvoir après développer le fœtus. C'est valable pour toutes les espèces françaises sauf une seule, le Minioptère de Schreber, qui lui, au lieu de stocker donc le sperme du mâle, les femelles se fécondent directement pendant l'accouplement. Le fœtus commence à se développer et elles font stagner l'évolution du fœtus pendant toute la durée de l'hiver pour ensuite la reprendre en mars. Donc c'est assez fort. Voilà, et ensuite le cycle se reboucle, vous l'aurez compris. Pour les différents moyens d'étude des chauves-souris, c'est des cas un peu particuliers puisque bon, les chauves-souris sont ici, en tout cas en France, nocturnes, donc c'est pas forcément l'animal le plus simple à étudier, en tout cas de visu, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le moyen le plus simple qui a été trouvé pour l'étude des chauves-souris, ça reste avant tout l'acoustique. Comme je vous le disais, il y a deux types d'écoute pour les études acoustiques. Vous avez donc l'écoute passive, qui est la plus simple à expliquer. Vous posez un boîtier, comme certains ont pu le voir sur le stand de son acoustique dans le hall. Donc ces boîtiers-là en fait sont munis de micros qui permettent d'avoir de capter les ultrasons. Et en fait, ça va enregistrer en boucle pendant toute la nuit, et ensuite le lendemain, on vient la récupérer. Excusez-moi. Et donc, suite à ça, on récupère toutes les données qui ont été bancarisées dans ce boîtier, on les analyse, on donne un nom d'espèce à chaque son, et c'est comme ça qu'après, on peut avoir une liste d'espèces précises du point d'écoute en question, l'activité, etc., etc. Sachant qu'il faut savoir quelque chose d'assez important. Vu qu'on ne peut pas quantifier facilement le nombre d'individus purs qui se trouvent sur la zone, l'étude acoustique consiste à compter, non pas en termes d'individus, mais à compter en termes de contacts. C'est-à-dire que sur une séquence, une chauve-souris qui crierait en permanence à côté du boîtier et que le boîtier enregistrerait 15 secondes de cris non-stop, on va diviser les 15 secondes en 5 pour tous les cris, et à chaque fois qu'on dépasse 5 secondes, on compte un contact.
Donc là, en l'occurrence, 15, vous l'aurez compris, c'est 3 contacts. Si c'est juste une bête qui passe comme ça en Mac 10, hop là, au-dessus du boîtier, on l'entend même pas une seconde, ça compte quand même comme un contact, même si c'est en dessous de 5. C'est à partir du moment où ça dépasse 5, c'est un deuxième. Donc ça nous permet après de quantifier, on a des échelles, etc., qui nous permettent de voir si l'activité est forte, permanente, très faible, nulle. Ça c'est simple, c'est quand il n'y a personne. Donc voilà, ça c'est pour le passif. Le système de contact marche aussi également pour l'actif, évidemment. Pour l'actif, c'est un peu plus cool. Donc on est muni de boîtiers comme celui que vous avez là en image. Donc c'est des boîtiers portatifs qui nous permettent en fait de jongler sur une bonne échelle de fréquence, toujours dans les ultrasons. Et en fait, en fonction des espèces, les chauves-souris crient d'une certaine manière, avec des cris d'une certaine forme, et surtout à une certaine hauteur. Donc vraiment, il y a une complexité là-dedans qui permet d'avoir le détail de « Ok, ce que j'entends, c'est telle espèce, elle est en train de manger, là, elle a raté un insecte, elle essaye de le rattraper, elle a réussi, elle mange, elle repart. » Donc c'est quand même très, très détaillé, et ça, c'est plutôt cool. Même si on ne voit pas la bestiole, on peut savoir ce qu'elle fait juste avec l'acoustique. Et ça, c'est une plus-value dans les études, l'actif, puisque ça nous permet de notamment pouvoir évaluer si une zone est utilisée comme zone de chasse ou uniquement une zone de transit ou juste une zone de chasse temporaire en début de nuit, crépuscule, etc. Donc ça donne plus de détails, plus d'infos sur des coins qui peuvent être sujets à travaux, etc., notamment dans mon métier, soit du panneau solaire, éolien, bâtiment, etc., etc. Ensuite, on a la capture qui est aussi très cool. En général, c'est pour la plupart des captures que j'ai fait, en tout cas personnellement, c'était pour dénombrer le nombre d'individus qui étaient présents dans une colonie. Donc, comment ça se passe en général quand imaginons une colonie est dans une maison abandonnée, on va boucher toutes les issues sauf une ou deux. Donc, tout est bouché avec des bâches, etc., pour éviter que les bêtes partent partout. Si vraiment la maison c'est un gruyère, ça va être compliqué de les noter si on en laisse passer une centaine à la trappe. Et ensuite, on a des petits filets. C'est dommage parce que j'ai pas de photos là en l'occurrence, mais des filets qui sont pas vraiment des filets, si vous voulez, c'est un peu des tubes qui sont mis un peu comme les tubes qu'on voit quand on doit pas dépasser une certaine hauteur sur la route. Je sais pas si vous voyez au péage. Des tubes rouges, bref, pire exemple. Et donc en gros, les chauves-souris vont passer dedans et c'est indolore pour elles, elles vont simplement glisser en bas de ces tubes qui les amènent dans un petit panier où elles ne peuvent pas ensuite ressortir facilement, elles ont tendance à se bloquer dedans avec un système très ingénieux. Et donc d'ici, en fait, on peut les récupérer avec des gants, évidemment, pour les mettre dans des petits pochons, c'est tout mignon, des petits pochons en tissu. On les accroche sur des porte-manteaux géants et ensuite vous avez une grande table un peu comme celle qui est devant moi. Vous avez la chauve-souris passe du coup du point A au point B. On lui enlève les parasites, on récupère un échantillon si besoin. On établit quelle espèce c'est, si c'est un mâle ou une femelle, l'âge, etc., etc. Et après, hop, on relâche. Donc c'est assez cool si vous avez l'occasion de participer à ça, c'est vraiment sympa. Surtout à la fin, bon, c'est très très long, hein, ça finit souvent sur le coup de 4h ou 5h du matin, mais à la fin on mange bien en règle générale, pour se récompenser. Voilà, voilà. Alors ensuite vous avez donc la partie que je connais le moins bien, effectivement, c'est l'ADN, qui permet notamment de pouvoir discriminer une sous-espèce d'une espèce déjà connue. Exemple concret, il y a quelques années, donc 2 ou 3 ans, on avait donc une espèce qu'on a nous en France qui s'appelle le murin de Natterer. On a découvert qu'il y avait une espèce une sous-espèce qui s'était plus ou moins développée vers la Corse ou dans le sud de la France et qui du coup récemment est devenue une espèce à part entière. Donc on a séparé le murin de Natterer de la nouvelle espèce qui s'appelle maintenant le murin cryptique. Donc du coup, comment on s'organise dans ce genre de cas? Simplement, on garde les mêmes facteurs d'analyse pour ce qui est tout ce qui est son, mais à partir d'une certaine aire géographique, si ça dépasse trop une certaine barrière, on passe en murin de Natterer, et si c'est vraiment une étude qui est par exemple sur la Côte d'Azur, au lieu de mettre murin de Natterer à notre habitude, on met le murin cryptique. Donc voilà. On va passer aux symboles et donc mythes, légendes urbaines, etc., etc. Donc là, comme vous voyez, bon, c'était un peu comme une version un peu Moyen-Âge, mais bon, c'est encore courant dans certains endroits.
Vous avez sûrement l'image de notamment la chouette effraie collée, enfin collée, plutôt croûtée sur les portes des granges pour vraiment éloigner le mauvais esprit, le diable, etc. C'était malheureusement également le cas pour les chauves-souris, qui étaient, selon certains textes, notamment en Angleterre, de ce que j'ai compris, qui étaient vraiment reliées fortement à tout ce qui était sorcière. Donc voilà, je vous explique pas le micmac, les pauvres bêtes qui prennent pour rien, mais voilà, ça éloigne le mal. Donc effectivement, comme je vous le disais plus tôt, les chauves-souris sont souvent associées à tout ce qui est voilà, ténèbres, le noir, la nuit, en l'occurrence la mort, etc. Elle est souvent dans des enluminures, etc., représentée avec donc, des formes squelettiques, etc., etc. Donc c'est top hein, comme image. Et donc vous avez les fameux vampires d'Azara qui sont très réputés, puisque bon, souvent quand on fait des stands de sensibilisation et que les gens, voilà, les gens viennent nous voir, etc., j'ai souvent la question, mais du coup, comment ça se passe, les chauves-souris qu'on voit dans les villes et campagnes? Qu'est-ce qui se passe si elles nous atterrissent dessus? Elles vont nous sucer le sang, etc., au secours? Non, du coup, non. Si vous vous rappelez bien, je vous ai bien dit que les chauves-souris, en tout cas ici, étaient insectivores pour l'ensemble d'entre elles. Mais le vampire d'Azara existe bel et bien. Il est présent uniquement en Amazonie. Pour le petit détail, le vampire d'Azara est distribué en 3 sous-espèces, mais bon, ça, c'est qu'un détail. Et effectivement, il a besoin d'hémoglobine donc pour survivre. C'est un organisme assez spécial. C'est un animal qui a tendance à plus s'organiser en colonie, même pour les mâles, que les autres espèces, notamment celles françaises, où les mâles sont plutôt dans leur coin et les femelles elles sont plutôt à serrer les coudes. Puisqu'en fait, quand vient une pénurie d'hémoglobine, s'il n'y a plus vraiment d'endroit où aller chercher du sang, les individus d'une même colonie vont s'entraider via ce qu'on appelle le baiser sanglant. Donc, les individus vont régurgiter du sang dans leur gorge, et donc celle qui est en rade à côté un peu là, elle vient l'échouiller le merveilleux breuvage dans la bouche de sa pote. Mais c'est cool, ça fait partie de la solidarité de la nature. Pour tout ce qui est risque, souvent on me dit mais les chauves-souris ça véhicule des maladies. Oui, effectivement, les chauves-souris ça véhicule des maladies, comme souvent hein, d'ailleurs, hein, comme beaucoup d'animaux sauvages finalement, notamment la rage. Donc si vous êtes amené à manipuler des chauves-souris, je vous conseille vivement d'avoir des gants, hein, même si la bête est plutôt calme. Ça reste quand même des animaux qui sont plutôt plutôt docile en général, à part si on montre une forme d'agressivité ou si on essaye de lui faire mal, forcément, hein, ça ne va pas lui plaire. Donc le vampire d'Azara, en fait, est un peu comme les chauves-souris chez nous, assez craintif de l'homme. C'est assez rare que des chauves-souris, dans une telle pénurie, aillent jusqu'à croquer un humain, mais ça arrive de temps en temps. Il y a un ou deux morts par an, je crois, qui décèdent suite à une morsure de vampire d'Azara qui a entraîné une maladie, etc., etc. Mais c'est bien souvent sur des bovidés ou des animaux d'élevage que les chauves-souris vont se nourrir. Au niveau des quantités, ça reste quand même très peu. C'est à peu près 4 gouttes par semaine de sang qui est par individu. Donc ça va, c'est pas, elles en boivent pas comme de l'eau. Et sachant que les agriculteurs, les éleveurs qui sont dans ce coin-là. Ont des techniques pour éviter que leurs bêtes se fassent mordre par les chauves-souris. Ils déposent des coupelles de sang aux alentours des élevages, et les chauves-souris, au lieu de s'embêter à aller croquer des bestioles, forcément, quand on a un plat tout préparé à côté, on va peut-être pas s'embêter à aller dans la cuisine, donc hop, ça va dans la coupelle. Il y a des très belles, des vidéos qui montrent effectivement des vampires d'Azara qui se nourrissent dans ces fameux petits bols. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin de la conférence. Donc oui, ça nous amène, donc tout ce qui est mythe et légende, ça nous amène à une intégration qui est relativement compliquée. Comme vous pouvez le voir sur cette image, bon, ça a été mis en lumière avec un petit truc là, qui s'appelait le Covid. Là. Et oui, effectivement, les chauves-souris, notamment les roussettes, encore une fois, sont l'ingrédient principal de certains plats. Alors ça reste des choses qui sont... voilà, des plats qui sont plus ou moins ancestraux, voilà, typiques de certains pays. Malgré le fait que ce soit quand même une espèce, et quand je dis espèce, c'est l'intégralité des chauves-souris du monde, sont en voie d'extinction à différents niveaux, différentes échelles.
C'est toujours compliqué d'expliquer voilà, aux personnes qui ont toujours vécu dans ces pays-là de voilà, il faut, les gars, il faut arrêter de manger. C'est un peu, souvent, je fais l'exemple de. C'est un peu comme si on nous disait faut arrêter de manger du poulet, quoi, parce qu'en gros, là, ça va s'éteindre. Bon, pour eux, c'est un peu compliqué à comprendre. Malheureusement, vu que c'est un peu des plats qui sont atypiques, attends, tu sais pas, la nouvelle, j'ai mangé une chauve-souris dans un potage l'autre jour, c'était ouf. Les grands restaurants ou les hôtels se permettent également de servir ce genre de plat. Donc bon, ça reste quand même une information. Faut que ça tique. Bref, ça va mettre un peu de temps, mais c'est en cours. Voilà. Donc on va rester un peu sur cette photo. Je vous parlais tout à l'heure du fait que ça véhicule des maladies. Effectivement, si vous êtes amené à manger une chauve-souris, assurez-vous qu'elle soit cuite avant. Parce que bon, c'est un peu comme si vous mangez un rat dans une cave. C'est sûr que si vous le mangez cru, ça va pas forcément bien se passer. Voilà. Ensuite, au-delà de les manger, les chauves-souris sont souvent vues comme des trucs pas forcément cool et ça fait peur. Et donc, il y a des gens qui s'amusent, ou alors pas forcément, hein, c'est juste, bah tiens, il y en avait dans le coin, donc je l'ai tabassé. Là, c'est enfin, un screenshot d'une vidéo d'un gars qui a littéralement tabassé une roussette dans son jardin et qui est bien content de la ramener devant la caméra. Donc, la pauvre bestiole a été passée à tabac. Mais ça m'est déjà arrivé de croiser en comptage voilà, dans des cavités, dans des carrières, etc., où des gens viennent squatter, des colonies, genre une vingtaine d'individus éclatés au paintball par terre. Donc c'est assez malheureux comme spectacle, je vous l'avoue. Ou alors, mieux, une colonie d'une espèce qui est quand même pas mal rare en France. Hein. On est content quand on l'a, le petit rhinolophe. Une colonie de reproduction. Donc encore une fois, voilà, je ressasse sur le fait que c'est vraiment un moment très important. Il faut pas les déranger. Un petit gars qui s'est dit, putain, c'est des chauves-souris. Et si je faisais un barbecue géant, et v'là-t-il pas que je retrouve des pétards gros calibre lance-flammes à plusieurs mètres de haut qui étaient accrochés à des cailloux en direction des chauves-souris. Et du coup, il n'y avait plus de chauve-souris, il n'y avait plus que du cramé sur le plafond, et bah, du coup, j'ai plus jamais retrouvé la colonie. Voilà, donc c'est sympatoche. Et du coup, au-delà des déviances de certains individus qui sont très sympathiques, ma foi, il existe aussi donc des publicités comme celle-là, qui est une publicité des Antilles, une photo que j'ai récemment trouvée sur le net, qui a été partagée sur la liste Mail France. Qui montre qu'effectivement, les chauves-souris, malgré le fait que y ait vraiment, ça reste quand même des bestioles qui sont très intéressantes pour la nature, notamment pour l'homme, pour tous les caractères que je vous ai donnés plus tôt, sont considérées comme des sortes de rongeurs nuisibles. Donc voilà, nocibles, vos nuisances. C'est-à-dire que bon, elles sont là pour vous bouffer les moustiques. Bon, bah, on va les gazer. Hein, c'est comme ça que ça marche. Je peux concevoir qu'effectivement, quand on a une colonie de chauves-souris qui s'installe chez soi, ou quand on revient dans sa petite maison de campagne et que putain, il y a une colonie de grands murins qui s'est installée dans mon grenier, ça fait du bruit, machin, c'est chiant. Effectivement, je vous l'avoue, c'est pas forcément cool, surtout pour quelqu'un qui n'en a pas grand-chose à faire de la nature. Ça reste quand même, comme je vous le disais, des espèces qui sont protégées à beaucoup de niveaux, peu importe l'espèce, même en France, comme je vous le disais. Et il y a toujours moyen de trouver des compromis. Sympatoche avec les chauves-souris. J'ai un exemple qui était particulièrement top. J'ai fait une journée de l'environnement il y a quelques années au Jardin des Plantes. Et donc il y a un petit couple de vieux qui était venu au stand de chauves-souris. Et il me disait, ouais, j'ai une colonie apparemment de pipistrelles ou de sérotines dans notre grenier. Tout ça. J'ai dit, ah, c'est bien. Ça. Et ouais, on fait beaucoup d'argent grâce à ça. J'étais, ah, bon? Et donc les gars m'ont dit qu'ils récupéraient en fait le guano qui est du coup produit en très grande quantité par les colonies de reproduction dans des seaux qui font plusieurs litres et ils vendaient ça sur le bon coin plusieurs dizaines d'euros le seau puisque effectivement le guano de chauve-souris c'est un des meilleurs fertilisants naturels pour tout ce qui est potager, plantes, etc. Donc les gars se faisaient plaisir et ça arrondissait bien les fins de mois, donc ils étaient tout contents de me dire ça et ça m'a donné une bonne anecdote à raconter pour le reste de ma présentation. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai un micro à faire passer pour les personnes qui auraient des questions. Vous précipitez pas tous en même temps.
Oui. Oui, moi c'était une toute petite question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure quand le bébé de la chauve-souris il tombe par terre. Vous avez dit elle ne peut pas le ramasser, comment ça se fait? Parce qu'en fait, dans un mouvement de panique, pour une chauve-souris, c'est assez compliqué de se retrouver au sol et de pouvoir redécoller dans de bonnes conditions. Et étant donné que, en plus, les petits sont vraiment très très vulnérables, bon, ça aurait été un peu macabre, mais j'ai des échantillons de petits qui sont malheureusement décédés, desséchés. On voit, c'est vraiment des toutes petites bestioles complètement sans poils, etc. Donc même si elles tombent sur un sol qui est relativement propre, entre voilà, tout ce qui est bactéries, déjà ne serait-ce que le choc, et le fait que la mère ait du mal à envisager le fait de se poser, récupérer le petit qui est complètement, qui bouge pas totalement normalement, ça reste quand même très compliqué. Ça s'est peut-être fait, mais en tout cas, les études ont démontré que, effectivement, malheureusement, pour la plupart du temps, les petits qui tombent sont des petits perdus. Voilà. Une note sympatoche. Puisque on a une autre question ou pas, en assistance, parce que sinon moi j'en ai une. Est-ce que dans le cadre des restaurations des zones humides qu'on peut avoir, que ce soit des petits projets, des restaurations de mares, des choses comme ça, ou des projets de plus grande envergure sur des mises en place de NS ou de zones Natura 2000 ou autre chose comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en avant pour favoriser les chiroptères sur ces zones-là, sur qui n'auraient pas forcément été au top de leur capacité d'accueil à ce moment-là? Bah, en général, ça reste quand même encore il y a des choses qui peuvent être faites, notamment ne serait-ce qu'au niveau des nichoirs, etc. Ça reste quand même plus complexe en termes d'efficacité, j'entends, que pour des nichoirs d'oiseaux qu'on pourrait placer, etc. Je crois que c'est à peu près pareil pour les oiseaux, mais il faut potentiellement attendre 1 an ou 2 avant que ça soit occupé, je crois, en fonction des espèces, j'ai cru comprendre. Les chauves-souris, c'est un peu pareil. C'est des espèces qui sont très attachées aux endroits qu'elles fréquentent, etc. Elles hibernent souvent aux mêmes endroits, elles se reproduisent aux mêmes endroits, elles mettent pas aux mêmes endroits, etc. Et en fait, le fait d'avoir de nouvelles possibilités, on va dire surtout quand c'est des abris, des gîtes. Alors il y a des trucs qui sont normalement faits pour être le plus proche de ce qu'elles peuvent trouver dans la nature, que ce soit dans les arbres, dans les casquettes de bâtiments au niveau des toits, etc., les petites fissures, etc. Malheureusement, l'efficacité, ça dépend vraiment de l'endroit, et ça reste vraiment assez nébuleux quand on en crée. En tout cas, moi, à la Écosphère, il n'y a pas vraiment eu de résultats probants, au point où on s'est dit, ah, putain, la vache, c'est au top, hein. Mais c'est dommage. Mais il y a certaines études qui démontrent que, au contraire, sur certains sites, ça fonctionne bien. J'imagine que sur les zones humides, les nichoirs pourraient être une solution pour mettre un peu un coup de pouce. L'essentiel, je pense, ça réside dans le maintien des vieux arbres, tout ce qui est cavités, fissures, les branches qui sont un peu fissures, enfin un peu dans un sale état, mais qui peuvent servir du coup de gîte, ne serait-ce que temporaire aux chauves-souris. Pour moi, c'est quand même déjà beaucoup plus efficace qu'un gîte artificiel qu'on viendrait installer, même si, comme je vous le disais, ça dépend des sites au niveau du bon fonctionnement de l'appareil, de l'engin. Voilà. Merci beaucoup. On aurait le temps pour une dernière question si jamais, sinon on pourra arrêter ici. Bah, merci beaucoup pour ta présentation, en tout Pas cas, de souci, je vous bien remercie en tout éclairé. cas pour votre attention.